Alléluia, gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Il s'est souvenu de toi. Amen. Il t'a donné un travail. Dis-nous comment les choses sont passées. D'accord. Avec vie, hein. Parce que là, il y a la joie. Donc, parle avec vie maintenant. Voilà. Mm-hmm. En tout cas, je suis là ce matin pour rendre grâce au Dieu de Papa Florian. Parce que la première fois quand je suis venue ici, j'ai écouté les témoignages et tout ce qui a été dit. La première fois, ça t'a fait 2 mois, 3 mois? Ça peut faire 2 mois. 2 mois. Ça peut faire 2 mois. Donc, dans ma prière, j'ai demandé au Seigneur de m'exaucer. Ce qu'il a fait pour les autres, qu'il le fasse aussi pour moi. Et à la fin de la prière, Papa Florian nous a recommandé certains éléments ici, voilà, que nous avons pris. Et moi, j'avais une seule intention sur ces éléments-là. C'était l'obtention de mon CDI. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. Ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise-là. 5 ans. On me prend en CDD 2 ans. On me libère. Après, on me reprend. On m'envoie chez un prestataire. Je reviens, toutes celles avec qui j'ai commencé ont été embauchées, mais moi je traînais encore. Dans mes songes, c'était toujours des menaces. Quand tu auras ton CDI, tu vas perdre la vie, tu n'auras jamais ton CDI et tout. Et comme ça, 5 ans tu souffrais. 5 ans j'étais dans la souffrance. Voilà. 5 ans j'étais dans la souffrance. C'était des pleurs, c'était des jeûnes, c'était des prières. Mais comment tu as eu le contact de Papa Florian? Qui t'a parlé de Papa? C'est une amie à moi. Voilà, qui, bon, elle m'a dit, bon, avec tout ce que tu traverses là, je pense qu'il y a un serviteur de Dieu qui peut t'aider. Voilà, donc à chaque fois, elle et moi, on prenait des rendez-vous, mais on reportait. Donc, elle m'a remis le boîtier, l'huile, le sang de Jésus. Oui. Et il y avait le contact là-dessus. Et ainsi que moi-même, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et je suis venue. Voilà. Quand tu es venue, tu as pris le lait, le sang de Jésus. Et tout. Et il y a un autre médicament, voilà. J'ai pris ces 3 éléments-là, je suis partie. Comme je l'ai dit, sur le lait, j'avais une seule intention, l'obtention du CDI, voilà. Et par la grâce de Dieu, mon contrat devait prendre fin le 22 avril 2021. Et ce même jour-là, j'ai fini, en fait, je travaille de jour, je travaille de nuit. Donc ce jour-là, j'ai travaillé la nuit et je devais finir le matin. Et il y a mon patron qui est venu me dire, non, il faut garder la foi, il faut prier. Un musulman, hein. Et c'était celui-là même qui était un peu mon bourreau. À la fin, je faisais des évaluations et il me notait très mal. Donc, ça créait des tensions par moments entre nous. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit, au lieu de faire des histoires avec lui, confie-le au Seigneur. Et j'ai commencé à prier avec son nom et tout et tout. Et c'est ce dernier-là qui me dit, garde la foi. On ne sait jamais, peut-être ils vont te rappeler. Je vous assure que le même jour où je suis rentrée à la maison, à 16h, pendant que j'avais ma Bible en main, j'étais en train de prier. Mon patron m'appelle pour me dire non, que c'est fait, tu es retenu. Alléluia. Il dit, mais je vous dis quoi? Il dit, si, tu peux jubiler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais c'est fait, ton nom est sur la liste, tu ne vas pas partir. On te met automatiquement en CDI avec effet immédiat. Oh, gloire au Dieu de Papa Florian. Amen, amen, amen. Et ce, c'est pendant 2 mois d'utilisation des éléments seulement? Tout à fait. Wow. Tout à fait. Pendant 5 ans, tu souffrais? 5 ans, j'étais dans la souffrance, j'étais dans la galère, comme on dit. J'étais dans la galère, alléluia, comme on dit. Aujourd'hui, wow, gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Tu as eu ce que tu voulais, ce que ton cœur désirait. Tout à fait. Et tu es venu témoigner en son nom. Voilà. Merci d'être passé. Ceux qui sont dans ton cas, qui cherchent aussi CDI, Dieu ne peut pas financer en charge. Amen.